slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour vous faire part d'un glitch qui marchera qu'avec les persos féminins. Donc cette fois je valorise encore une fois les filles, mais je pense que beaucoup de personnes ont un personnage féminin sur GTA 5 Online. Donc ce glitch vous permettra, comme vous le voyez sur mon écran, de rendre le torse de votre personnage féminin invisible. Je cherche toujours pour pouvoir faire ça avec les persos masculins, mais j'attends que la mise à jour soit bien là, parce que comme vous le savez, à chaque début de DLC il y a toujours des petits bugs qui fait que votre torse va devenir invisible, ou vos bras, etc. Mais là ça n'a rien à voir avec le DLC. Donc vous voyez que j'ai mon super bonnet d'âne. Mon personnage est vraiment mal habillé, mais je m'en fous littéralement. Donc pour réaliser ce petit glitch, vous allez vous rendre tout d'abord dans les tenues. Donc vous allez dans les tenues, vous allez dans tenue standard. Et là vous allez aller chercher, donc je vais mettre une tenue au hasard, comme ça j'ai plus le ventre invisible. Et je vais vous montrer que ça fonctionne bel et bien. Vous allez aller chercher la tenue qui s'appelle... où est-ce qu'elle est la tenue? Voilà, elle s'appelle Festival. Donc vous prenez la tenue Festival, vous l'achetez. Moi je viens de l'acheter, vous voyez que j'ai la tenue Festival. Il y a mon bonnet d'âne qui vient de réapparaître, mais on s'en fout. Après vous allez aller dans les hauts et vous allez aller chercher les bikinis. Et quand vous mettez le premier bikini, bah, vous voyez bien que votre torse devient complètement invisible. Vous perdez le bas de votre torse, on va dire. Mais vous ne pouvez pas tout mettre, parce que regardez, vous allez voir que mon torse réapparaît à un certain moment, mais il disparaît à certains moments avec des bikinis. Donc vous mettez celui qu'il vous plaît. Donc voilà, on va mettre le rouge comme ça, comme c'est en rouge, je mets le rouge. Et après vous allez vous rendre dans les hauts, et là vous allez voir que c'est assez drôle. Et vous allez aller dans bas de bikini, et là on a l'impression que la fille a tout simplement un petit slip. Ça fait vraiment what the fuck, j'aime beaucoup ça. Là y en a qui vont penser autre chose et ça va partir en cacahuète dans les commentaires, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour le fun. Après votre personnage féminin a le torse invisible, vous pouvez le voir, et après bah voilà, vous avez votre tenue qui est plutôt bien, avec un bas de bikini et pas de torse, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux si j'arrive à trouver un petit truc pour les persos masculins. Mais comme je vous l'ai dit, j'attends bien que la mise à jour se mette en place, parce que sinon il y a toujours les petits bugs de début de mise à jour. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes, et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao bébé tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.